Voilà, on peut voir. Félicitations Gino, hein. Gino Castinel, donc le pilote de la 112, où on avait fait le direct l'année dernière sur l'arrivée. Là, on a fait les voisins cette année. Et Philippe Nicolas, manager de la, du team 112 LCR Yamaha. Voilà. Et votre modérateur, Patrick Bertino, photographe. Il y a monsieur Christian Gentil qui regarde. Ah, Christian Gentil. Oui. Ah ben salut Christian, salut, pense Christian, à toi Popeye. Bravo toutes les équipes. Bravo à notre piston préféré. Notre chef, ici. Restaurant la Côte d'Agel en Ardèche, dans la vallée de l'Arieux, si vous voulez. Ah excellent. Bravo. Voilà, là, ils sont de l'autre côté. Voilà, ils font la fête de l'autre côté. Et on va voir là-bas. Voilà, là, ils l'ont fait pour la première fois. Voilà. Pierre-Louis Le Bionnec, c'était ses premières 24 heures du Mans. Après avoir fait le Paris-Dakar. Ah voilà, l'Aprilia qui avait du retard. Allez, la famille senior. Félicitations. L'année dernière, on était ensemble à l'arrivée. Et cette fois, ben, tout s'est bien passé. Rien cassé, c'est bien. On n'a pas trouvé. Il y a juste un moment où j'ai eu un peu peur. Quand tu as fait ton premier relais, il me semble que tu es rentré au stand bien avant. Deux fois, je l'ai offert. Oui. Une fois, en fait, où je t'ai vu rentrer alors que tu devais te prendre le guidon, en fait. Ouais. Mais l'essentiel. Ouais. Stéphane Péda. Ouais. Donc Stéphane Péda, troisième pilote, la Christophe Senior, fondateur du team, et deuxième pilote. Et Charlotte Fugier, team manager. Et William Vallard, il est où? Ah ben on va le faire passer aussi. Voilà, William Vallard, le premier pilote qui a pris le départ. T'as vu? Merci.
Ah, le podium a déjà commencé, c'est tout au fond. Allez, maintenant le motobox Kremer. Avec le grand man Fred. Nathalie. Et Christian Napoli. Félicitations. Voilà le chef, un des deux chefs donc. Georges Haas. Voilà, bravo Manfred. La photo. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le gouvernement pour un contrôle.